Alors, on va chercher désormais à asservir et évaluer les performances de notre modèle. Donc, pour cela, on le met en boucle fermée. On récupère l'information de vitesse ici qui a été mise en tours par minute. Ensuite, on met une constante ou un signal builder. On met un outil de comparaison. On met un PID contrôleur. Donc, on met avec un proportionnel de 1 pour l'instant. Ensuite, on met une saturation à plus ou moins 5 volts parce que à l'intérieur ici, moi j'ai une source de PWM qui est limité à 5 volts. On lance la simulation. Et on a fréquemment ce type de problème où on nous parle d'un problème de zéro crossing. Donc le zéro crossing, c'est quoi? C'est une méthode utilisée pour évaluer les variations brusques du modèle de manière à adapter le pas par le solver. Donc pour ça, pour désactiver ce problème, on va dans les configurations ici. Et dans les additional parameters ici, on va désactiver le Zero Crossing Control. Alors toujours sur ce problème de Zero Crossing, je vous montre deux trois autres possibilités. La première consiste à utiliser non pas ici de désactiver le mode Zero Crossing, mais de le rendre adaptative. Si on fait ça, le problème c'est que ça ralentit énormément la simulation. La deuxième solution consiste à travailler en mode Average ici. Donc au lieu d'être sur du PWM, on travaille sur un mode moyenné. Dans les deux modes, mais on perd là l'avantage de simuler le vrai PWM avec ses éventuelles discontinuités. Au final, je trouve que finalement, dans le cadre d'une simulation comme celle-ci, il est très difficile de mélanger certaines parties mécaniques et électriques. Donc, garder la saturation, oui, et après, ici, je préfère finalement prendre un simple générateur de tension variable qui ne pose plus de problème, même s'il est un peu moins réaliste. Voilà, ensuite, une première observation du comportement du système se fait en loguant le signal de sortie ici, log selected signals. Ensuite, on va modifier les paramètres du PID ici. Et ensuite, on va donc réaliser les essais et aller voir dans le Data Inspector et comparer les différents comportements ici qui ont été enregistrés, qui sont affichés, où là, par exemple, j'ai fait évoluer le gain proportionnel. À noter que ce comportement est très sensible au choix des paramètres de moteur que vous avez sélectionnés ici. On peut réaliser la même chose cette fois-ci sur un asservissement d'angle. Donc on obtient cette fois-ci des résultats comme ceci. On voit bien le rôle du proportionnel et puis à la fin sur celle-là le rôle du dérivé. On a la possibilité grâce à un outil de comparaison ici d'observer la différence entre par exemple deux gains proportionnels identiques avec un gain dérivé ajouté. Donc finalement ce premier mode de fonctionnement permet un réglage empirique du PID. Alors une autre possibilité pour régler le PID, c'est d'aller dans le mode Tune qui se trouve à l'intérieur de ce bloc ici. Il linéarise notre modèle et ensuite on a la possibilité par l'intermédiaire des curseurs ici de régler soit le temps de réponse, soit le comportement transitoire. On a également la possibilité de faire un réglage dans le domaine des fréquences, soit par la bande passante, soit par la marge de phase. Et puis ensuite on peut voir les paramètres et leur influence sur le temps de réponse, sur les marges de gain, etc. Et on peut les mettre à jour dans le bloc principal pour ensuite ici pouvoir faire la simulation. L'idée après, c'est bien sûr de transposer ces paramètres sur le modèle réel afin de vérifier les performances attendues. Bon, pour toutes les études de linéarisation qui vont suivre, en fait, il faut préalablement mettre ici, par clic droit, il faut mettre un point d'analyse linéaire en sortie. Et puis, de la même manière, ici, un point d'analyse d'entrée, input, voilà, qui sera nécessaire et on verra que pour faire un boucle fermé, on utilisera le input perturbation output measurement. Voilà, donc si je souhaite étudier le système en boucle ouverte, je vais mettre ici en sortie un open loop output. Si je suis en boucle fermée, je vais mettre un output measurement. Et en entrée, si je souhaite travailler en boucle ouverte, je vais mettre un point open loop input. Et si je veux travailler en boucle fermée, je mettrai un input perturbation. Voilà, c'est ce que j'ai réalisé ici sur ce premier ordre. Et on voit bien qu'ici en boucle ouverte, j'ai un gain de 1 et une constante de temps de 1. Et en boucle fermée, j'ai un gain de 1,5 et une constante de temps d'1,5. Alors, une autre technique pour évaluer les performances, c'est de passer par l'étude des marges de stabilité. Donc pour ça, j'ai commencé par enlever par précaution les phénomènes de saturation ici. Ensuite, on passe par l'outil d'analyse Control Design Linear Analysis, en ayant veillé bien sûr à mettre ici un input et un output. Et si on réalise ça, en fait, on a un résultat qui est incohérent. Voilà, que ce soit pour la réponse temporelle ou que ce soit pour le diagramme de Bode. Donc, on devine qu'il y a des problèmes de phénomènes non linéaires ou de phénomènes
qui sont peut-être liées à ces frottements secs, qui sont peut-être liées à d'autres au paramétrage du moteur, bref. Je ne sais pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré du coup exporter avec le to workspace la vitesse de sortie et la consigne d'entrée ici dans des variables qui apparaissent ici. Une fois que j'ai les ai importées, j'ai utilisé l'outil, l'application qui permet d'identifier ici System Identification. Dans le System Identification, justement, j'ai tracé la réponse que j'avais précédemment. Je l'ai identifiée à partir d'une fonction de transfert. Je lui ai demandé d'identifier un deuxième ordre et en effet, il m'a donné un deuxième ordre qui était celui-ci. Ce deuxième ordre, je l'ai importé dans un fichier à part, donc comme celui-ci. Donc voilà, j'ai reproduit ma FTBO. Quand je relance l'analyse linéaire, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus cohérent là, avec un deuxième ordre. Et donc, je peux l'exploiter en termes de marge de phase, marge de gain, confère la vidéo sur l'identification d'un système. Si maintenant dans mon modèle de départ je rajoute les phénomènes de saturation que je relance, mais j'ai cette fois-ci une loi de vitesse qui est complètement changée, et si je réexporte ça dans le workspace, voilà, je trouve cette fois-ci un modèle qui est beaucoup, beaucoup plus difficile à obtenir, qui montre les problèmes de linéarité liés à la saturation. En conclusion, il est quand même assez difficile d'utiliser ce modèle à causal pour optimiser l'asservissement avec une analyse linéaire. À voir, simplement c'est peut-être moi qui sais pas faire. Alors dans les difficultés, les trucs à savoir, je vais reprendre deux trois petites choses. Si par exemple j'essaie d'ouvrir ce fichier qui a été créé avec une version MATLAB plus récente que celle que j'ai, voilà, il m'indique que je ne peux pas parce que c'est une version plus récente. Donc pour ouvrir ce fichier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement aller dans les préférences de Simulink, Simulink je dis bien, et ici aller dans le model file et ici décocher Do not load models created, etc. Voilà. Ensuite, une erreur dont j'ai parlé plusieurs fois, mais qui est très très fréquente. Voilà, je lance la simulation, ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'ici, j'ai un accent. Donc, pas d'accent nulle part dans MATLAB Simulink. Alors, je rappelle également ce type d'erreur. Si vous lancez une animation, qu'on vous parle d'index de matrice trop grand, c'est tout simplement qu'ici, les données que vous avez sont. Les CMI data sont pas bonnes. Il va falloir les recharger à partir du fichier datafile ici. Alors, je vais vous présenter quelques modèles particuliers qui peuvent être intéressants. Ici, c'est un Segway, donc on voit qu'on a une simulation du comportement du Segway. Voilà, qui s'incline, qui reste en équilibre, qui est maintenu en équilibre par un asservissement. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? En fait, on peut retenir d'une part que dans le moteur, j'ai bien mis justement un hasher traditionnel, contrairement à tout à l'heure. Ensuite, on peut retenir que dans la maquette, en fait, on retrouve les deux roues avec le châssis. Et en fait, au niveau du sol, ici, au niveau de la roue, ici, en fait, j'ai construit une liaison virtuelle, on va dire. C'est-à-dire que le couple moteur, lorsqu'il arrive, en fait, il va arriver sur une liaison qui va être une liaison pivot qui va traduire l'inclinaison du Segway par rapport au sol et une liaison glissière qui traduit donc le déplacement horizontal. Donc on retrouve ça ici, c'est-à-dire que le couple arrive ici. Là, on retrouve la commande classique, l'interface classique de pilotage d'une liaison. Donc en fait, on pilote une liaison qui correspond à l'inclinaison du Segway, donc qui est au niveau du contact roue-sol. Et en fait, une fois qu'on a ça, on récupère la position angulaire. Cette position angulaire, on la multiplie par le rayon pour avoir la distance parcourue et on commande une liaison glissière. Voilà. Et on peut noter une chose, c'est que ce bloc-là est parfois utile. Je vous ai parlé tout à l'heure problème de dérivative. En fait, lorsque vous avez des calculs qui sont comme ça récursifs, lors du premier calcul, il a besoin d'une valeur et le bloc memory ici permet de résoudre souvent ce problème en mettant un retard. Donc le premier calcul, du coup, est résolu. Ensuite, on peut noter que on a besoin de mesurer l'inclinaison du Segway par rapport au sol. Or, on n'a pas de liaison existante proprement dite, à part celle qu'on a vue tout à l'heure. Mais du coup, on peut ici utiliser un capteur de transformation entre le monde mécanique, le monde avec ses références telles qu'il est défini ici dans le monde mécanique, ici. Voilà. Et donc, l'inclinaison qui arrive ici. Donc, on utilise ce bloc Transform Sensor qui est assez utile. On voit ici l'utilisation d'un bias parce que l'angle au départ n'était pas le bon, donc je l'ai mesuré initialement et puis j'ai décalé.
Alors, un truc assez pénible, c'est que toutes les liaisons glissières, en fait, on nous indique qu'elles sont orientées sur l'axe Z de la base. Donc ici, B comme base, F comme follower. Or, on s'aperçoit ici que le repère de départ sur lequel je suis connecté, en fait, est orienté comme ça. Donc j'ai dû mettre deux transformations. Donc je vais devoir, en fait, tourner de 45 degrés et puis me décaler au milieu du Segway. Et ensuite, mettre une transformation 8 qui, elle, va tourner encore de 90 degrés de manière à passer de là à là. Voilà, c'est une contrainte, c'est assez pénible, mais c'est une solution pour s'en sortir. Voilà, un autre modèle intéressant, celui d'un robot mobile. Voilà, qui se déplace ici en ligne droite. Alors, le modèle associé est le suivant. Là, on a la moitié du robot. Donc, ce qu'il y a à noter, c'est quoi? C'est le châssis, les moteurs, les roues. On retrouve l'asservissement ici. On retrouve le modèle du moteur avec le hacheur. On retrouve les roues avec l'interface SIM mécanique. Ensuite, ce qui est intéressant sur ce modèle, c'est de noter comment on fait pour générer la liaison entre le robot et le sol. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère la vitesse de la roue droite et de la roue gauche qui arrive ici, dans ce bloc. Dans ce bloc, on fait quoi? En fait, on calcule la vitesse moyenne de translation. Donc on prend ici la vitesse droite et gauche, on en prend la moitié. Voilà. Et la vitesse moyenne de rotation en faisant cette fois-ci la soustraction des deux. Ensuite, on va projeter cette vitesse sur les axes X et Y. Et ensuite, on va, pour avoir les projections de la vitesse, et ensuite, on va intégrer cette vitesse horizontale enfin sur X et sur Y pour avoir les déplacements sur X et Y. Et pour la rotation, c'est la même chose. Le résultat de cette position sur X, Y et Z, on va l'envoyer à une liaison de type planar joint qui permet d'avoir les positions dans le plan X, Y et la rotation sur Z. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut noter? C'est que lorsqu'on lance la simulation, en fait, on s'aperçoit que quelle que soit la masse de la charge, ici dans les SMI data, lorsqu'on va dans les solides et qu'on change la masse ici, voilà la masse du poids qu'on a rajouté par-dessus, ici 600 kg, en fait, on obtient toujours le même résultat. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, le poids est en vertical et la liaison avec le sol étant supposée parfaite. En fait, il n'y a aucun impact de la charge sur le déplacement horizontal. D'où la nécessité d'un autre modèle qui prend en compte la liaison avec le sol. Sur ce deuxième modèle, on a utilisé une bibliothèque qui a été téléchargée sur le site de MathWorks, une bibliothèque de forces de contact. Et en fait, ces forces de contact en fait, sont définies par un modèle de contact avec des raideurs, des frottements visqueux, des frictions qu'il faut paramétrer correctement sinon le robot n'avance pas. Si vous ne définissez pas le bon rayon de sphère, en fait, il n'y aura pas contact entre la sphère et le plan, et du coup, le robot n'avancera pas. Voilà, là, on se retrouve avec une simulation tout à fait normale. Alors, notez que j'ai choisi de changer la masse ici, non pas dans les SMI data ici, mais dans le solide directement, en mettant dans ces données d'inertie ici un point masse, et non pas un custom comme tout à l'heure, avec la variable charge, et que la variable charge, je l'ai déclarée moi-même dans le workspace. Ensuite, en loguant les signaux ici de vie, j'observe bien une différence de comportement entre une masse de 500 kg, de 30 kg et de 3 kg. L'objectif final de ce modèle acausal, finalement, c'est quand même de le comparer avec le modèle de comportement qu'on a pu obtenir par l'expérience ou le modèle de connaissance qu'on a pu établir. Voilà, et puis on peut également réaliser un script où en fait on va répéter en boucle un test avec par exemple avec une charge variable et évaluer dans ce cas la vitesse maximale atteinte par le robot. On constate une dissymétrie, mais voyez, ça permet de ne pas relancer à chaque fois soi-même l'opération. Alors dans le script, on fait quoi? En fait, on va déclarer le nom du fichier que l'on souhaite ouvrir, on va l'ouvrir. Ensuite, on va déclarer une charge variable tous les 10 kg. On va déclarer une liste vide de vitesse, on va paramétrer l'affichage, on va ensuite faire varier un indice i, ensuite on va affecter la variable charge ici qui en fait sera mise dans le workspace mais qui sera utilisée ici dans l'inertie, les données d'inertie, voilà le nom de la charge ici. Ensuite on réalise un tracé avec en abscisse la charge, en ordonnée la vitesse maximale atteinte, et puis voilà. Donc c'est quand même très pratique. Voilà, sur ce deuxième script, on peut voir un petit peu en fonction de l'amplitude des oscillations du sol, on peut voir le comportement et le débattement notamment de la suspension ici, qui nous permettent de la dimensionner correctement.
On voit par ailleurs sur ce modèle qu'on a pris en compte en fait le modèle de comportement entre le pneu et le sol. Donc on voit que le pneu en fait décolle du sol. Pour faire ça en fait on a utilisé ici on a récupéré la vitesse d'une liaison qui est très utile, qui est une liaison complète en fait à 6 degrés de liberté. En fait c'est une forme de capteur de mouvement dans toutes les directions. On a récupéré la vitesse verticale sur Z. On l'a envoyé dans ce bloc qui tout simplement va récupérer cette vitesse et générer une force. Donc je rappelle que les notions de capteur et de source sont inversées. Il va envoyer cette force pour piloter cette liaison généralisée. Et puis on va dire en parallèle de cette liaison, on utilise un hard stop. Et dans ce hard stop, en fait, on va utiliser une limite de mouvement de translation avec un bond de 50 cm au plus haut, de 0 au minimum. Et puis on peut mettre en place des raideurs et des viscosités. Un problème qui revient fréquemment, c'est l'orientation des liaisons glissières, dont je rappelle qu'elles sont orientées obligatoirement sur Z, et de la base, c'est ce qu'on nous indique ici. Alors moi, je bricole un petit peu, malheureusement, j'essaie de vérifier si le point B ici, qui apparaît ici, est orienté sur l'axe Z. J'essaie dans un premier temps d'orienter le point qui est en référence ici sur la pièce F1, en essayant de rajouter une transformation de manière à ce qu'il soit correctement orienté. Si ça marche pas, et ça arrive parfois, qu'il tourne toute la pièce, à ce moment-là, malheureusement, parfois, ça m'est arrivé de redessiner la pièce entièrement, enfin de la réorienter dans SolidWorks. Alors on peut noter ici la présence d'une sphère qui a été rajoutée, qui correspond au centre de gravité du cycliste. Alors comment faire ça? En fait, on va dans le cadre, on rajoute ici des transformations qui permettent de déplacer ce point à la hauteur et à la position latérale souhaitée, et ensuite, dans le solide, là, on va choisir parmi les solides, on va choisir des solides standards et non pas des solides issus du SMI data. Et ensuite, on peut leur mettre des propriétés d'inertie adaptées, de type ponctuel pour moi. Ensuite, je vais récupérer la position de ce centre de gravité par une liaison généralisée à nouveau. Et ensuite, je vais appliquer Pythagore pour avoir sa position dans l'espace. Sur ce modèle, on a souhaité modéliser le comportement d'un bâtiment soumis à des secousses sismiques. Donc on voit les différents étages du bâtiment et là les supposés murs. On peut noter donc sur cet exemple que dans la liaison pivot, en fait, on a mis en place donc du coup justement dans les ici on a mis une raideur et puis un coefficient visqueux correspondant selon nous au comportement du mur avec les étages. Et on a eu un petit souci lié à la position d'équilibre initiale à noter donc qui peut également vous poser des soucis.